a senti la chaussure va saigner et tout. Donc il faut balayer comme ça. En haut, en bas aussi, vous balayez comme ça. Le Lions Club Cotonou Belle Harmonie s'intéresse à la santé bucco-dentaire de la couche juvénile. À cet effet, les membres de cette association se sont rendus dans les locaux de l'orphelinat Terre Rouge de Cotonou pour entretenir les bouts de chou qui s'y trouvent sur la bonne technique à adopter durant le brossage. Le président Marcel Dosou Koyi justifie le choix de cette cible. Cette cible parce que c'est constitué des enfants. Vous savez que l'éducation commence par les enfants. Et pour que l'adulte qui va devenir ait de bonnes habitudes pour l'avenir et pour garder, comme on l'a dit, de bons sourires. Le Lions Club Cotonou Belle Harmonie est un club du district 403 qui regroupe des hommes et des femmes animés d'une bonne volonté et qui se mettent au service de la communauté. En termes de priorité d'action, il est souvent recommandé à chaque club du district de faire des actions sur la prévention contre les affections bucco-dentaires. Tous les clubs du district sont invités, sont sensibilisés, mobilisés à faire au moins une œuvre sur la prévention des affections bucco-dentaires. Je dirais plus, un club ne peut pas rester dans une ville ou dans un espace et il va rester des enfants qui ne savent pas comment prendre soin de leurs dents. Nous avons ciblé pour cette année les enfants en âge scolaire. Donc, tous les enfants en âge scolaire doivent pouvoir apprendre comment se brosser les dents. Donc, tous les clubs doivent se mettre là-dessus et aller dans tous les endroits où on peut avoir des enfants en âge scolaire. Dans les écoles, dans les maternelles et dans les orphelinats et ailleurs. Donc, c'est un sentiment de fierté qui m'anime et je remercie le club d'avoir pris l'initiative et j'invite les autres clubs à faire pareil parce que nous ne pouvons pas être quelque part où le besoin est et où on n'agit pas. Or, ce besoin, il est partout. À noter que les membres du Lions Club Cotonou Belle Harmonie ne sont pas seulement limités à cette formation sur l'hygiène bucco-dentaire. Ils ont aussi procédé à la distribution de pâtes dentifrices et brosses aux enfants de cet orphelinat ainsi qu'à la remise de vivres pour une bonne alimentation de ces enfants.